Alors, j'ai fait ma 5, 6 et 7e professionnelle en publicité et agencement de l'espace il y a 5 ans d'ici. J'ai adoré parce que on était vraiment dans un cadre dynamique, créatif, où j'ai pu vraiment exploiter plein de choses en moi que je ne connaissais pas en fait, vraiment la technique de dessin et découvrir des programmes que je ne connaissais pas comme Photoshop, Illustrator, qui m'a permis vraiment d'année en année en fait de construire des projets de plus en plus nets, de plus en plus aboutis et du coup plus en lien avec le monde de la publicité. Et à l'école, le cadre est dynamique. On connaît nos professeurs, ils nous connaissent, nos éducateurs aussi. Le directeur nous connaît, on a vraiment un lien avec nos professeurs qui n'est pas comme si on était des numéros. Donc on est vraiment... je me sentais vraiment très à l'aise avec tout ça. J'ai fait 3 ans de bachelier à la Haute École Francisco Ferrer à Bruxelles. Et du coup, ma 7e m'a vraiment aidée parce que, en fait, on nous met directement dans le monde de la pub. Et donc j'avais déjà tout ce style graphique, j'avais déjà tout ce qui représente en fait la publicité. Et donc c'était vraiment un bagage en plus quand je suis arrivée du coup en première année en bachelier. Et oui, ça m'a permis parce qu'on était vraiment proche de nos professeurs. Et c'est un lien qu'on garde encore même après en revenant. Bon, ici c'est des circonstances un peu bizarres, mais on sent qu'il y a toujours le même lien. Si je fais mon CAP en cours du soir, j'espère pouvoir un jour venir donner cours aussi et donner toute mon envie à mes futurs élèves.